push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on tonight.
to protect your soul.
Still hanging in the balance, not the life I want to live. I want
far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light.
his name is John C. Ah, tu me niaises. Ok. Fait une heure que je suis mute, calice. Asti que je suis calme. Au moins, il y a de la musique. Ok, bon, ben. Je reprends plus ou moins mes explications depuis le début. On a plusieurs, on a eu plusieurs stacks de diams. J'ai envoyé du bois à cuivre pour faire du charcoal. Les villageois tombent pas où je veux, fait qu'on s'occupera de ça un autre tantôt. Là, j'éclaircis la forêt au-dessus pour gagner en visibilité et pouvoir torcher la zone et avoir un peu la paix. Comment tu vas, Martin, passant? Beaucoup de deep slate. Ah, oh, ça va bien. Ça va bien. Ben, range l'excédent. Bordel, ça va tout là-dedans. Ça, ça va là-dedans. Ça va là, ça, ça va là. Bloc, j'ai un peu de dirt. Ça devrait pas être suffisant pour reboucher ce que les creepers ont fait. Mais au moins une partie. Ma fortune, j'ai trouvé un unbreak en faisant ma deuxième pioche en diams. Ça, c'est ma drill. Efficiency 4, unbreak 3. C'est avec ça que j'ai fini de creuser le tunnel quand j'ai atteint ce bord site. J'ai... Oh, nice. J'ai pété au total... 1144 sauts d'eau. Je dois pas en avoir posé tant que ça avant. Je vais avoir posé facilement 1100 sauts d'eau dans le tunnel. Pioche en pierre. J'en ai... pété 80. Ça, j'en ai pété 80. Puis ce qui veut dire que j'en dois en avoir pété une ou deux avant. Fait que j'ai quand même pété plus de 70 pioches dans le tunnel. Fait que bon. Quand même bien pété de la pioche. Sinon, on va se faire un chemin de minecart pour ramener les villageois jusqu'à la zone où j'ai envie de les installer. C'est-à-dire que je suis mieux de les installer. Et j'ai deux blocs de haut ici. Je vais me servir de ma foreuse. Comme ça ici, je peux facilement faire un zigzag ici. La ramener jusqu'ici. Ça tourne pas là. Faudrait que je le tourne ici pour le descendre là. Puis d'ici, je pense que je peux le faire passer. Il va falloir trouver une manière de les ramener où je veux.
Ce qui est à dire, les ramener. Ici. J'avais prévu les ramener ici. Puis je pense que ça, je vais faire. Je vais les ramener ici en attendant. Parce que je pense pas aménager la zone tout de suite. J'ai probable. Ouh, j'avais pas vu ce qu'il y a là. Ok, c'est juste un cul-de-sac, ok. Regardez pareil, là. Bon, au final, c'est juste du gravier. Mettre une petite torche là. Je veux juste m'assurer qu'il n'y ait pas un mob qui puisse spawner. C'est un peu con. Ben, ça reste spawné depuis le temps, mais comme il n'y a rien que spawné, je déduis que ça peut pas spawner, mais je veux pas prendre de chance. Surtout que c'est pour mes villageois que j'ai besoin que ce soit safe. Ouais, un petit zombie, un petit squelette, je peux gérer, mais... Les villageois, eux autres, sont teubés. Voilà. Là, c'est bien torché. Pour le peu de temps qui est... Ben, pour le temps que je vais attendre la nuit, je vais aller torcher un peu ici. Une géode là. C'est par là que moi je suis descendu. Diams. Les diams rendus là, c'est plus un problème. En tout cas, pour l'instant. Faut quand même que je torche parce que c'est quand même en dessous de la base si j'ai envie de me faire une ferme à mob ou quelque chose de ce style là. C'est mieux d'avoir torché. Non, on va avoir des problèmes. Ramasse des diams quand même. C'est pas
totalement bien éclairé, mais c'est assez à mon goût. Y es-tu bon jusqu'à date le DLC, Martha? Ah bon, au moins si c'est le fun, c'est bien. Ah, je peux me barrer d'ici. Il y a ici qui est pas torché, mais j'ai plus de torche, fait que on se barre. Ah, c'est un DLC d'Halloween en plus. Oh, ben là, c'est bon. Ben, on va faire un petit coup de fortune. J'ai plus que doublé mes dias. Oh. C'est bien, on a pas mal de dias. Deep Slate, on a pas mal. Deep Slate, comme ça, je n'ai pas de besoin. Et j'ai pas eu besoin de faire un New Game Plus. Le DLC commençait au niveau 35. Ah, bon, ben, au moins, c'est ça. C'est au moins ça de prix. J'ai étudié le psy. Light, mon opsy. Ok. F3. F2. Faut que je place mon portail. Toujours à la même place. Pour ça, j'ai pris un Flint and Steel. Fois moins long dans le Nether, fait que je divise mes coordonnées par 8. Ok. Mais ce sur pause. Je passe ça ici. Viennent ici. Ok, ça ici. J'ai mes coordonnées. Bon. Ça veut dire. Faut que je fasse une note. C'est je vais arrondir au supérieur, ça peut-être moins 20 et en
Moins 20, 17. Voilà. Moins 20, 17, c'est bon. Je vais commencer par aller en 17. Non, c'est par là. Ça. Moins 20. Voilà, moins 20. T'as peu. Voilà. Voilà. C'est pas tellement loin en vrai. Si les coordonnées sont bonnes, je suis correct. Je vais retomber sur mon portail. Ah là! Là, je suis bien. On va même rester durable. Là, je peux. Jeter. Pas mal de Netherrack aussi. Voilà. Quartz, du gold nugget. Mais c'est bien passé. Ah, c'est quand même bien. C'est quand même bien pensé. Voilà. On y retourne. Genre besoin de charbon, tu veux dire plus de torches. Parce que j'ai un stick.
Fait que bon, on a un bon petit bout à bûcher encore. J'aimerais bien dégager une bonne partie. Pour avoir de la place où travailler. Pour ce que je veux faire. Comme dit... Il va me falloir d'autres choses. Je vais penser, il va me falloir autre chose. Je vais me faire un double chest, mettre ça en haut. Pour comme ça, on va pouvoir... commencer à stocker des ressources qui pourraient nous être utiles. Qui pourraient nous être utiles. Pas garanti que je vais m'en servir, mais... Ça pourrait nous être utile. Il me semble que j'ai des shears. Non. Au lieu d'utiliser ma Silk Touch pour récupérer les feuilles, je vais plus faire de la shears. Ce qui est l'utilité normale. Il y a une caverne au-dessus encore. Comment ça s'éclaircit dehors, je pense. Je retire ce que j'ai dit. Il est minuit. La lune m'a pas juste au-dessus de la gueule. Ça devrait être commencé de papier pour à part les fantômes qui peuvent nous spawner dans la gueule. De toute façon, je m'en vais en hauteur, fait que je vais être tranquille. Faire comme ça, c'est pas bien.
Yes, si bon. Ok, on y retourne. Il va falloir une autre paire de shears, un autre chest. Un double chest, toi, je l'ai même pas monté mon double chest. Je vais me faire un double chest, je l'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Ah, des vines. Bon, les vignes, c'était pas ce qui m'intéressait. Clairement besoin plus que... Ah, t'es niveau 37? Ah, c'est quand même bien. Il va en falloir plus. Il va me falloir une deuxième. Ben, je vais me faire deux autres paires de shears. Je vais mettre un double chest ici. Même deux double chests. Un peu. J'ai tout ce qu'il faut pour faire des double chests sur moi. Maudit que je suis calme. Les mettre ici. Tant, 69, tiens, Borderland 69. Bon, les vignes, je les garde pas. Mais j'étais avec la logique de Borderlands. J'étais avec la logique, leur logique. Des jokes salaces puis sexuels à foison, fait que... Je me suis dit, joke sexuel, 69. Je vais garder les vines au final, je vais redescendre à la base. Je vais les dropper. Je vais me faire une coupe de shears encore, puis je vais plumer des arbres. Je vais les nettoyer de toutes leurs feuilles. Ah ben, de ce que t'as lu, c'est pas grave. De ce que t'as lu, c'est une source. Est-ce que c'est fiable? Pas nécessairement, mais c'est fiable d'une certaine manière. C'est mieux que pas d'avoir d'informations.
Hein. Trois paires devraient être popées pour me mettre bien. En tout cas, pour l'instant. Ça va être pratique. Je vais pouvoir. Le fait de commencer à ramasser les ressources va nous donner une chance. Ça va être moins long quand on va vouloir avancer, commencer la construction. Je pense qu'on devrait commencer prochainement, mais faut que je vérifie. J'ai mon idée, faut que je commence à travailler dessus, mais on verra comment je vais travailler dessus au fur et à mesure. Ouais, pas de problème. Ah, il y en a encore des buissons.
Ah, commence à être pas mal propre là niveau de la zone. Commence à avoir un beau petit chemin. Bon, ça va faire mal. C'est quoi, c'est du Oak Leaf? Ça, je veux pas. Allez, on y va. Quasiment en termes de superficie, on a quasiment atteint la zone du spawn. Ben, où est-ce que je m'étais installé un petit champ vite fait là? En plus, c'est tellement long de faire les astis de buissons là. Ah.
Puis là, je me débarrasse des petits arbres. Ouais, Martha. Ah, j'avais pas vu. Voilà. Allez, on continue.
Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. If I quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter. Ah, je commence à voir un peu plus clair. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.
like water, so I'm going mainstream. Ah, c'est du bébé. Oh là. C'est beau, c'est belle comme la papaya. Faut que je bute un boss, une tête de citrouille. Toi t'es pas belle comme la papaya, toi t'es belle comme la bomba. On continue. Oh, on est clair. Mal de bois sur moi. Et là, je suis en mode exploration. Ça me tire dessus? C'est de la caverne, monsieur. Ouh. Ouais, monsieur. Et on plonge. Ah, je suis fou. Vous avez longtemps qu'on s'était fait une caverne. On y va. Ça descend muy bien. Il m'a donné son plastron. Il doit avoir du Thorns. Projectile protection 3, pas tout. Il y a Chunk à Slime. F3 plus H, non, c'est G. C'est soit ici, soit c'est là. Soit c'est là, soit c'est là. Chunk en face.
just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so tame. We must merely make a stride. Hey. En culos de sa merdasse. Hey, calice. Ah, c'est là où est-ce qu'il y a ma tour. Oh la salope. On a mis du poison combien? 30 secondes! Elle va me buter la calice! Ok, 10 secondes. F3 plus H, non. Bon, je me bats. Là, la question, c'est lequel zone où est-ce qu'il y a le chunk of slime, je sais pas. Ou alors que je mette en coalition avec, en concordance avec ce qu'il y a en bas. Il y a encore du zombard qui spawn. J'ai pas assez éclairé, mais au moins, ce que j'ai éclairé, c'est déjà ça de fait. Oh, puis elle continue bien par ici, je pense. Assez de... ce bastardo. Ça semble bien continuer, mais je verrai plus tard. Pour l'instant, je me barre. Dire que... cette caverne-là est en dessous de ma base. Ben, en tout cas, elle est pas si grande que ça. Si je regarde, au final... j'avais l'impression qu'elle était beaucoup plus grande. Elle l'est pas tant que ça. Elle est quand même pas petite, mais c'est quand même une belle caverne. Elle est
pas la fin du monde. Voilà. Oak, jungle. Commence à mieux voir autour. De toute façon, on t'avait de couper le live. Je vais couper cet arbre-là, puis ça devrait être pas pire. Parce que pour cette zone-là, il se met à pleuvoir. Lui aussi est dans mes jambes un peu. Ici on a, il doit avoir une, ah, il doit avoir de quoi la connecter ici. Voilà. Il va falloir que je pense. Ramener des vaches. L'enfer. Ça va être un enfer ramener des vaches. En tout cas, je l'ai pas vu. Mouton pareil. Ah, t'as pas lui aussi qui peut jarter. Ah non, il va falloir que je descende comme ça. J'étais avec, ça allait faire ça. Allez, encore, il y a encore du buisson. C'est ce que je déteste de la jungle, c'est la quantité pharaonique de buisson qu'il y a là-dedans. C'est juste gigantesque.
Là, on commence à être pas pire. Il y a encore quelques petits arbres en bas là que j'aimerais bien jarter. Il y a beaucoup de lianes, ça qui est... Ben, il y a tellement de problèmes avec la jungle, mais c'est... C'est le biome qu'on a, puis j'ai pas envie de chercher 6 ans pour me trouver une place où m'installer, puis... J'ai une idée de ce que j'ai envie de faire ici. Un petit moment que j'ai une idée de base, puis je cherchais l'occasion de la faire, fait qu'on va la faire ici. On a tous les ingrédients nécessaires pour la faire, on va la faire. Ah, je savais qu'il n'a oublié un. Ici, c'est rallié à ici. Non, ici. Je vérifie, mais de première vue, je vois pas de branches. Ça a l'air de spawn, fait que ça n'est pas si pire. Oh, une pomme. On est à 7 pommes sur moi, je dois en avoir 19 en bas. C'est pas si mal en vrai. Donc, je t'avais deux coupés, mais je veux juste me débarrasser de plus de... De ces petits arbres-là. Avant de couper. Un petit dernier.
Bon, le Oak je garde, le Jungle je dépose. Oh. Jungle. Ah. Loin d'avoir ce qu'il me faut. Je pensais que ça prenait des dommages avec l'eau, les bestioles là. Voilà, on va redescendre à la base, puis je vais être pas pire. Je vais me récupérer un peu de bouffe, puis pour... Oh, un savannah! L'avenir. J'ai besoin de plusieurs champs. Et je vais installer mes champs en contrebas. À peu près où est-ce que je suis. J'ai ma petite idée. On verra comment je vais m'y prendre, mais j'ai ma petite idée. Des cookies, on s'en balèque. Pas mal de blé. Un petit 16 de pain. Les vaches, en vrai, c'est pas si pire. J'en ai deux. Juste à faire un enclos. Alors, c'est le même principe que mes villageois qui sont déjà métiers loc. Ça. Pour l'instant, ça, je garde. J'ai-tu besoin du Hawk? Moi, j'aurai besoin du Hawk. Bon, le projectile de protection 3, là. On va l'envoyer à la ferme à mob. Parce que j'aime bien me faire les armures. Ben pour ce qui est des armures, ben la chainmail c'est dur à obtenir. À moins d'avoir des spawners, c'est ça le moyen de les avoir. Ben, j'ai probablement quasiment le full. On est déjà niveau 30. Pan of Anthropod. Really? Let's faire. Bon. Retour à la petite base. Mais vu que j'ai quand même perdu quasiment une heure, pas de micro, je vais tirer ma ligne de chemin de fer tout de suite. En tout cas, une partie de la ligne de chemin de fer.
C'est ça? Il est... Pourquoi les rats ils sont pas là? Ah, une carte est là. Je me souviens plus c'est avec quoi. Danger Red Zone? Non. Allez. Faut pas chier. Le Golden God, ok, le Golden God. Bon, la liste des items avec lesquels on peut le crafter. C'est bon, j'ai trouvé. Ça devrait être pas si pire. Mais pour les autres, alors deux stacks, je pense. Voilà. Attends un peu, je vais regarder qu'est-ce qu'il dit rapport au Power and Rail. Je pense que c'est tous les 9 blocs qu'il faut le mettre. Je vais aller avec tous les 7 blocs. Je prendrai pas de chance. Les bateaux vont arriver ici. Avec ça, c'est pas si pire. Je vais les décharger ici. Ouais. Pas ici. Voilà. Ça ici. Fais-moi une table de craft que je puisse faire une dalle. Position haute. Et là, ils pourront pas se barrer.
Y'a pas une histoire de si je leur donne un boost avant les... Active tout avant de faire un test. Hostie. Il a fallu que le squelette tombe là. Je vais manquer de rail. Ah, j'ai plus de rail. Une distance. Bon, où est-ce que j'ai fait mon chemin? Ici? Ah, ici. L'alimenter jusqu'au maximum. Ah, ici, il y en a plus.
Je vais finir de le petit bout qui manque ici. Comme ça. Je vais même en rajouter. Je suis certain qu'ils vont monter en haut. 56. Il faut que je descende jusqu'ici. Ben, pour l'instant, on va les faire attendre ici. Voilà, je vais pouvoir les faire attendre là. Récupérer mes rails, le temps d'aménager ma zone. Devrait être pas pire. Parce que là, mine de rien, ça m'a bouffé beaucoup de fer. Puis vu la quantité de rails que j'ai posé, j'ai pas envie de recrafter d'autres. Puis je n'ai pas assez pour me rendre. Stand redstone. Bloc. Puis, pour ce qui est de la zone, je pense qu'on va la travailler de demain. Demain, on se fait la zone pour les villageois. Je sais pas à quelle hauteur je la mets. Mais je vais essayer de m'arranger. Je vais récupérer ça, par contre. Je vais retransformer ça. Moi, j'ai pas encore, j'ai ma petite idée, mais faudrait que je commence par faire le champ, la zone où les villageois vont se reproduire. Ensuite, il va falloir que je fasse la zone de collecte des villageois. Il va falloir que je calcule tout, tout ça avant de ramener les villageois dedans. Comme ça, je serais pas mal. Je vais essayer de faire de quoi de pas laid. Je le dis, quelque chose de pas laid. Comme dit, je suis pas un pro build. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va faire. Qu'est-ce que ça va rendre plutôt. Et sur ça, je souhaite une bonne soirée. On a fait une demi-heure de rab. Moi, je vais me pioncer. J'ai très mal dormi hier. Fait que sur ça, une bonne soirée. On se retrouve demain pour plus d'aventures. Tchuss.